Ma nouvelle salle de boxe. Je voulais justement aujourd'hui te parler de mon aventure au Mexique et te faire justement un effet d'annonce que j'ai pas eu l'occasion de te faire. Reste vraiment attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car j'aimerais aussi te donner un outil de vieux boxeur mexicain. J'ai pu voir justement un entraîneur de cette salle faire une séance de sparring. D'ailleurs, je t'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo, cet aspect qui va vraiment te permettre d'être plus vicieux et efficace dans ta boxe. Reste vraiment attentif à cette vidéo. À la fin, justement, je serai sur le sac de frappe. Mais le fait intéressant aussi, c'est que j'ai eu l'occasion d'aller dans la salle du grand frère de Canelo. Il faut savoir qu'ils doivent être sept dans la famille. Saul Alvarez est le dernier, Canelo est le dernier, et justement, je suis allé dans la salle du plus grand. En fait, le plus grand a engrainé tous les frères à faire de la boxe, et c'est le dernier qui est parvenu à faire les plus bonnes stats, en sachant que Rigo aussi a un très bon palmarès, en ayant battu d'ailleurs un Japonais qui avait fait une ruelle guerre à James Kirkland. Je te conseille de regarder ce combat. Il est complètement dingue, ce combat. Et justement, Rigo, dit l'espagnol, a battu justement ce japonais qui a eu un petit moment d'éclat durant quelques années. Et ce sera très intéressant justement qu'on y aille ensemble durant mes camps de boxe. Qu'on puisse justement faire des sparring l'après-midi tout en s'entraînant tout le temps justement le matin ici et faire du sparring. En fait, justement, Rigo, et d'ailleurs dernièrement, Saul Alvarez est passé dans sa salle et Rigo est toujours là, je crois vers 17h. Et il sera intéressant pour nous justement de faire parfois des sparring là-bas. Et d'ailleurs rencontrer justement celui qui a inspiré Canelo. Normalement, eh ben, je fais ces camps dans une salle de capoeira. Là, le but, eh ben, ça sera justement de te permettre de boxer dans une réelle salle. Ce qui sera très intéressant, comme tu peux le voir, c'est qu'il y a un bon petit ring. Et d'ailleurs, là, ici aussi, il y a une Il y a un petit ring, un petit octogone, ce qui te permettra de travailler la partie corps à corps et surtout on va travailler au niveau des cordes. Si tu as une difficulté justement face à des adversaires qui sont agressifs et qui te poussent dans les cordes, on travaillera beaucoup d'outils justement pour te permettre d'améliorer ce côté renardiste, vicieux et expérimenté dans ta boxe. Puis, chose qui sera intéressante aussi, c'est que le but de ce camp, avant tout, c'est de te permettre de travailler au niveau de ta boxe la matinée ici et l'après-midi. On alternera entre travail ici toujours ou aller dans des salles de boxe, dont par exemple la salle du frère de Canelo, pour te permettre à la fois de pourquoi pas faire du sparring lourd avec des Mexicains ou clairement d'absorber justement les techniques mexicaines avec des entraîneurs du coin. Donc le but vraiment c'est, il y a bien sûr aussi une partie où le but ça sera de visiter la ville. Néanmoins, l'essence de ce camp de boxe sera pour justement améliorer ta technique de boxe. D'ailleurs, si tu souhaites avoir plus d'informations, tout est disponible dans le lien dans la description. Tu pourras avoir plus d'informations sur ce camp de boxe. Et voilà, je te laisse. Et parlons justement de cette fameuse technique. Il y a un coach ici qui propose à ses élèves de faire de la patte d'ours, mais je crois bien que il propose aussi de faire des rounds avec lui, et je crois bien qu'il est certainement payé au round. Et je vais t'expliquer justement des petits trucs très intéressants par rapport à tes techniques et comment justement absorber la technique d'un boxeur expérimenté pour te permettre justement d'être plus fort en contre. Ça, c'est une chose qu'on travaillera beaucoup durant les camps pour te permettre justement d'avoir plus de coups d'œil.
et c'est une affaire de footwork. On en parle justement tout de suite. Qui peuvent justement différencier un boxeur expérimenté ou pas. Et là, le dernier point est pour moi le plus important. Premier point, c'est vraiment la gestion de ton espace. Et cela, sur plusieurs angles de vue, c'est premièrement cadrer ton adversaire. Beaucoup de personnes ont tendance plus à chercher à attaquer qu'à cadrer. En fait, le fait de cadrer, ça va te permettre de pouvoir mieux installer tes enchaînements de coups. Tu sais, bien souvent, les boxeurs me disent « Ouais, j'arrive pas à pouvoir enchaîner mes coups. » Oui, mais si tu cadres pas, c'est comme essayer de vouloir frapper une poule. La poule, faut la coincer avant de la frapper. L'autre point aussi qui est important, c'est que en ayant une vision globale du ring, ça va te permettre d'être plus efficace. Chose qui va te permettre d'être très efficace, c'est essayer d'avoir une vision de ton adversaire tout en essayant d'avoir une vision globale de tout en fait. C'est vraiment un truc assez intéressant, et j'en parlais dans une vidéo, c'est cette capacité à pouvoir regarder devant toi, mais à pouvoir regarder aussi sur les côtés. Et tu peux faire cet exercice en marchant parfois, par exemple en ville ou en nature, et t'amuser justement à regarder devant toi, mais en ayant cette capacité à pouvoir regarder tes deux doigts. Là, moi je le fais d'habitude sans avoir besoin de faire ce mouvement, et ça te permet d'avoir cette capacité d'avoir un champ large. Ce qui est très intéressant, c'est que ça va te permettre de pouvoir savoir, par exemple, là, ok, là je suis plus ou moins coincé, et tu vas pouvoir te placer au bon endroit. Un point aussi qui est important aussi, c'est les genoux en fait. Tu verras souvent qu'un boxeur expérimenté, c'est le boxeur qui arrive à pouvoir utiliser ses genoux. Les genoux qui vont te permettre de pouvoir amortir et frapper. Tu vois, ça va me permettre de pouvoir encaisser le coup et frapper. Ça va me permettre de pouvoir m'amuser, par exemple, en mettant ma tête devant moi comme ça. Mon adversaire va me frapper. Je vais me servir de mes genoux pour mettre juste sur la jambe avant et pouvoir frapper par la suite. James Toney, je te conseille de regarder ce boxeur, excellent boxeur, qui est l'un des boxeurs qui a la meilleure garde Philadelphie d'ailleurs. Et tu vois, c'est vraiment le gars qui utilise beaucoup ses genoux pour pouvoir frapper ses adversaires et tu vois, de pouvoir faire des sortes d'overhand dégueulasses mais qui sont très percutants. Donc, concernant ce camp de 10 jours, le but, c'est de te permettre d'améliorer ta technique de boxe, mais surtout faire en sorte de casser les blocages que tu as au niveau justement de ta mobilité, au niveau aussi de ta capacité à mieux répondre à des adversaires. Je sais que bon nombre de boxeurs aussi se sentent plus ou moins délaissés en club, car ces derniers ne sont pas forcément encadrés comme ils le souhaiteraient. Et donc là, on est en tout petit comité, ce qui me permettra justement de me focaliser sur chacun de tes défauts et fait pour améliorer justement drastiquement ta technique. Vous souhaitez nous rejoindre, il reste 2 places. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien si tu souhaites avoir plus d'infos. Et voilà, je te laisse comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.